Bonjour, dans cette vidéo, on va voir le serveur de fichiers sur Windows Server 2022. En plus, on verra comment monter les lecteurs réseau par GPO. Et en bonus, on verra le ciblage, c'est-à-dire que seuls certains groupes verront les lecteurs réseau se monter. Allez, c'est parti! Nous voilà sur notre contrôleur de domaine. Je vais reprendre l'Excel. J'avais recréé dans l'Active Directory tous les utilisateurs que l'on voit. Je les ai déjà affectés au groupe. Et là, on va créer les lecteurs partagés. Et on va voir, je vais vous montrer, c'est relativement simple. On va ouvrir notre gestionnaire de serveur. Alors, le rôle de serveur de fichiers, il est déjà... le service de fichiers de stockage est déjà préinstallé dans les rôles quand celui-là on n'a pas l'installé. On va aller sur partage. Ici on a déjà les partages, on a le 6 vol qui est partagé. Et là on va faire donc un clic droit, nouveau partage. SMB rapide, on va le laisser cocher. Là vous pouvez choisir vos volumes. Moi j'ai que le volume C. Ici, par contre, on peut créer un nom personnalisé. Alors, par défaut, c'est cher. Du coup, on va le laisser, mais on pourrait très bien l'appeler partage. Enfin bon, moi, je vais laisser cher. On va sur suivant. Donc là, il nous demande de créer un lecteur. Donc, je vais créer mon premier lecteur qui sera Conta. Et donc, il nous annonce qu'il va nous le mettre dans ses chers compta et le chemin réseau distant, c'est celui-là, servdom compta. Ensuite, on fait suivant. Ici, vous avez différents paramètres. Je vous conseille de les cocher tous les trois. Ici, surtout, bon, le chiffrage des données. Donc, attention, on parle pas du chiffrage du disque, on parle juste du chiffrage de l'accès aux données, du transfert. Ensuite, là, ici, c'est important, par contre, de faire attention. Il faut personnaliser les autorisations parce que par défaut, le partage, il est autorisé à tout le monde en contrôle total. Donc là, je vais respecter ce que je me suis fixé. Donc le compta, il n'y a que direction et comptabilité qui ont le droit de lecture-écriture, pas les autres. Donc, on va cliquer sur partage ajouté. Là, je vais chercher mon groupe direction. Je vais le mettre en contrôle total. On fait OK. Et ensuite, je vais aller chercher mon groupe compta. Et lui sera en lecture et modification. On fait appliquer. OK. Suivant. On fait créer. Fermer. Et là, comme on peut voir, il nous a créé un dossier share avec donc notre compta. Et donc je vais créer mes lecteurs comme ça. Donc j'en ai 6. Je vous retrouve au moment de faire le dernier où il y a une petite spécificité, mais qui n'est pas bien compliquée. Allez, à tout à l'heure. Me voilà sur mon dernier lecteur partagé. Alors, jusque là il n'y a pas de différence, et donc il s'appelle com. Et ici au niveau des autorisations, donc on a direction K, le contrôle total. Après, on a commercial qui n'a que la lecture seule. Donc, on laisse en lecture. Et on a communication qui, lui, a la lecture la lecture-écriture. On fait appliquer, OK. Suivant.
Et voilà, comme on peut voir, à tous nos lecteurs réseau sont prêts, ils sont en partage, ils sont prêts. Pour vérifier, il suffit d'aller sur un post client. On va se connecter avec l'admin. Et donc on va aller chercher le chemin, on va aller chercher à travers le réseau, tout à l'heure il nous donnait le chemin, donc pour moi c'est deux anti-slash serve-dom, ensuite bah, c'est direction ou ainsi de suite. De toute façon, si dans l'explorateur, on tape serv-dom, il va déjà nous remonter tous les lecteurs réseau qui sont dispo. Alors après, pour les connecter, vous pouvez le faire à la main, bien sûr, mais ça, en réseau, on déconseille vivement. Donc on va monter une GPO qui va nous autoriser, en fait, à monter donc les lecteurs réseau. Et en même temps, on verra le ciblage. Donc pour mapper les lecteurs réseau par GPO, on va ici dans notre gestion des stratégies de groupe. On étend notre forêt. On va dans notre domaine. Et ici, on peut créer une GPO. La GPO, on va l'appeler bah, par exemple lecteur réseau. Voilà, comme ceci, on fait OK, et ici donc on l'a à ce niveau là et là on fait un clic droit modifier, on va aller dans préférences, paramètres Windows, et ici on a mappage de lecteur, on fait un clic droit, on a nouveau lecteur mappé. Alors là, on a un petit peu de spécificité. On a créé, remplacé, mettre à jour ou supprimer. Ces quatre choix sont un peu les lignes de commande pour quand du temps où on montait les lecteurs réseau par BAT. Donc, il va, par exemple, pour créer, il va connecter un nouveau lecteur réseau pour cet utilisateur. Mais attention, la lettre à utiliser ne doit pas être déjà utilisée parce que sinon il ne pourra pas, le connecter ce lecteur si la lettre est déjà prise sur le poste. Supprimer, il va retirer le lecteur réseau. Remplacer, il va le déconnecter puis le reconnecter. Ou mettre à jour, il va tout simplement le connecter s'il ne l'est pas. Et s'il va être connecté, il va être mis à jour. Donc le mieux, en gros, c'est de choisir ce type-là, c'est mettre à jour. Pour l'emplacement, soit vous l'écrivez à la main, soit tout simplement, vous allez chercher votre lecteur dans tout ce qui est partagé. Par exemple, là, sur com, on double-clique com, on fait un copier-coller. Et là, il demande quel sera le nom du lecteur, donc on va l'appeler communication, et il nous demande d'utiliser une lettre, donc on va lui mettre par exemple la lettre S, on applique, on fait OK, et là comme on voit il nous monte le lecteur. Notre lecteur, à partir du moment où on fait OK, notre lecteur est bien créé. Alors on va le valider. Là, je suis sur la session de Romu, qui lui a les droits de lecture seule sur ce lecteur partagé. Donc, on va tout de suite valider que on ne puisse pas créer un document ou quoi que ce soit. Voilà, il nous dit qu'on n'a pas les autorisations. Ça c'est bien,
Après, quand on monte des lecteurs comme ça, même les utilisateurs qui n'ont pas du tout accès au lecteur réseau le voient. Je vais vous le montrer. On va se connecter avec Claire, qui, elle, comme on a vu, Claire fait juste partie de la comptabilité. Donc, elle n'a pas le droit à, au lecteur communication. Elle n'a pas le droit. Quand on se connecte, donc oui, elle n'y a pas le droit, mais par contre elle le voit. Donc si vous avez plein de lecteurs réseau, elle va être polluée par plein de lecteurs réseau auxquels elle n'a pas accès. Et c'est là où on va rentrer dans le petit bonus qui s'appelle le ciblage. Vous allez voir, c'est vraiment sympa. On retourne ici sur notre lecteur réseau, ma page. Donc on va faire un propriété. Mais ça vous fait tout à fait le faire à la création du lecteur réseau. Là, on va dans commun. Et ici, on va cocher ciblage et rajouter ciblage, nouvel élément. Et on peut avoir un groupe de sécurité ou un utilisateur. Et nous, en fait, on va donner, en respectant notre dossier com. Donc ici, on va donner à direction. Donc, le groupe, on va le chercher dans l'Active Directory, direction. On fait nouvel élément, groupe de sécurité. Et donc, on va chercher notre groupe suivant, c'est commercial. Donc, on va taper commercial, nouvel élément, groupe de sécurité, et ensuite on a la communication qui a là les droits de lecture écriture. Pardon, on va dans communication et là on applique, on fait OK. Je vais retourner sur mon profil. Donc, je suis avec Claire. Et alors, forcément, ça c'est pas. On va faire un GP update pour forcer le. Pour forcer la mise à jour de la stratégie de groupe. Update slash force. Donc cette commande vous force en fait la mise à jour de la stratégie de groupe. On va fermer la session. On se reconnecte. Voilà, il n'est plus vu par Claire, or qu'il est, il est vu par les trois autres membres de groupe qui ont été désignés. Voilà, de retour sur notre serveur. Alors, à savoir, petite astuce encore, les lecteurs, on peut copier-coller. On peut copier-coller si on a une configuration, surtout pour tout ce qui est ciblage. On peut donc attention, il faut quand même modifier le lecteur. Mais l'avantage, c'est que dans le ciblage, on garde nos groupes. Il suffira juste de modifier son nom. Pensez à modifier son nom et surtout sa lettre. Et voilà, sinon, pour dernière petite astuce, si vous voulez supprimer un groupe ne fait plus partie du lecteur réseau que vous voulez le supprimer, on va créer donc un nouveau lecteur mappé.
Ici, on mettra supprimer. On ira chercher le lecteur que l'on veut enlever du groupe. Bon, ben moi, vu que j'ai créé S, je vais faire S. Dans commun, je vais cibler. Je vais faire un ciblage. Pareil, je vais aller chercher un groupe. Sauf qu'ici, dans l'option de l'élément, j'irai dire que le groupe n'est pas membre du groupe de sécurité. Et du coup, je peux aller chercher mon groupe. Par exemple, on va prendre commercial. On fait OK. On applique OK. Et là, il va me supprimer. La prochaine fois que mes utilisateurs qui sont affectés au groupe commercial se connectent, ça va leur démapper le lecteur réseau. Voilà pour cette vidéo sur le serveur de fichiers. Vous avez vu, il n'y a rien de compliqué. Pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser du Windows Server, on peut tout faire avec des clics droits, partager, nouveaux dossiers. Là, je suis passé vraiment, on est passé par du Microsoft pur. L'avantage de monter par GPO, ça évite les BAT. Les BAT qui s'additionnent, qui s'amoncellent, qui deviennent compliqués à gérer. Là, c'est super simple. Et avec le ciblage, comme on a vu, ça pollue pas l'environnement des utilisateurs. Seulement, les groupes qui ont besoin d'avoir ces lecteurs réseau montent Map Sélecteur Réseau. Voilà pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi. À bientôt !